Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit stream sur Detroit Become Human. Alors désolé, j'avais oublié de couper le son de mon micro, je m'en suis rendu compte que après. Je crois que votre sauvegarde est corrompue. J'espère pas. Je plaisante. Oh non. J'aime bien ce petit humour. Très sympathique la page d'accueil. Attendez, je branche des écouteurs, je reviens tout de suite. La page d'accueil sympathique. Attendez 2 secondes, je déplace mon micro vite fait. Je me réorganise au dernier moment, je sais. Position bien pertinente, ma position joueur pro. Hop, attendez, je vais regarder ça de mon côté. Hop, je vais juste regarder vite fait sur le retour de live si vous entendez bien le son du jeu. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. C'est à mourir, il n'est pas à même de... J'espère que ça vous plaît. Je suis désolé du son, je suis désolé du son. Capture audio, oh j'avais pas vu ça. Oh je suis désolé les gens. Oh là là. Veuillez m'en excuser, quelle grave erreur. Attendez, désolé de la rediff. Juste que je regarde sur la rediff si vous entendez bien du coup. Juste que je regarde sur la rediff si vous entendez bien du coup. Juste que je regarde sur la rediff si vous entendez bien du coup. Juste... Ah oui, mais ça fait une réaction en chaîne du coup, je peux pas. Attendez, je quitte ça vite fait. Hop. Ça vite fait. Hop. Ça vite fait. Hop. Ah oui, mais du coup, c'est con, vu que la rediff, elle est strictement en direct, c'est pour une fois. Mais vraiment, pour une fois que la rediff est en direct, vraiment en direct. Ah, bah salut Drastis Game, j'avais pas vu le message. Tu vas bien, salaud? Oui, je vais bien. Je pars réellement en direct à la rediff, mais voilà. Je pars réellement en direct. Ok, donc le son, il marche, je confirme. Le son, il marche, je confirme. Je confirme. N'oubliez pas, vous décidez du sort de vos personnages. Ils peuvent tous mourir. Alors, prenez garde. On va faire gaffe, merci de me prévenir. Allez, on va commencer une nouvelle histoire parce que j'avais commencé une pour tester. Et aussi parce que le jeu est très 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 fun. Hop, on va attendre. Le jeu, vraiment, c'est un jeu, il est ouf. Mais par contre, moi, ce que je kiffe le plus, c'est quand je suis en mode détective avec Connor. De toute manière, tous les joueurs du jeu le disent. Connor, c'est notre personnage préféré. Il meurt, je meurs. C'est compris, c'est lui, Connor, d'ailleurs. C'est le détective. Le El Famous détective. T'es un salaud de base, je voulais t'appeler pour planer le live avec moi, tout tralala, pour que ça s'amuse. Mais toi, t'es pas venu, tu m'as pas répondu. Bon, j'aurais pu t'appeler le sur mon négociateur téléphone, vient si j'avais la flemme. Je répète, allez, le négociateur vient d'arriver. Le négociateur vient d'arriver. Bon, par contre, je suis pas encore très familiarisé avec ce système de déplacement de personnages. On le sauve ou on le laisse? Non, non! Non, non! Attends, je veux le revoir. Je veux le revoir. Il va mourir. J'ai le seum. Non? Les gens vont rigoler si je recommence. Vous allez rire, j'ai envie de recommencer juste pour ça. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain. Voilà. Ok, pas très d'accord qu'on aille sauver sa fille. Je déclare qu'il est prêt. D'une seconde à l'autre. J'en ai rien à battre. Mes sœurs sont prêts à intervenir. Suffit de donner l'ordre. Ah, je dois parler au Serge. Merde. C'est qui râle là-bas? C'est qui, le Serge? C'est lui là.
commandant Allen. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe... J'ai baissé un peu le son du jeu. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel ? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose ? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant ? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Allez, c'est un gros fils de pute. Ils font pas confiance aux androïdes. Mais voilà. Maintenant, moi, je vais faire mes preuves, hein. Je vais faire mes preuves, là. Je vais les enculer, hop. Je vais remplacer mes écouteurs. Traitement des données. Hop, munitions de calibre, là. 9 mm. Hop. Ok, on va reconstituer la scène. Hop, c'est là où on nous montre comment on peut reconstituer des scènes de crime. Hop. Vous voyez les éléments jaunes ici, c'est là où il y a des trucs importants où on peut scanner. Par exemple, là, hop. Ah merde, je me suis chié. Donc là, le déviant, il a pris l'arme du père. Hop là. Vous voyez dans la scène là, hop, il a pris l'arme. Hop. Il a fait tomber les balles. Hop, c'est pour ça qu'il y en a partout. Hop, il a posé la manette. Il a pris l'arme. Et après, on va voir ce qu'il a fait avec. C'est vraiment ultra bien fait. On va aller explorer la chambre. On ira explorer le salon après. Hop. Voici Daniel, l'androïde le plus cool au monde. Dis bonjour, Daniel. Bonjour. Tu es mon copain. On sera toujours. C'est qui s'appelle Daniel. Des coups de feu. Ouais, bah quand même, avec un casque à fond, hein, on va pas se mentir, tu l'entends les coups de feu. C'est pas un truc. Voilà. Des fois, ma souris, vous voyez, elle bug et ça fait ça. Vous voyez, genre, ça fait des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je maintiens mon clic, mais des fois, ça marche pas. Il veut pas se maintenir. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté de jouer à Fortnite d'ailleurs. Pour les gens qui ne savent pas. Enfin, j'y joue toujours, hein. J'ai pas très envie de stream dessus, alors c'est là où tout va bien. Ça va tirer. Je le sais, voilà, tu vois, là j'avance, lui il avance, ça va tirer. Bon. Ah bah non. On va analyser la victime, ça doit être le père. En vrai, je le sais déjà, mais c'est pas grave. J'ai déjà joué cette partie-là. C'est John Phillips. On peut voir les différentes balles, ce qu'elles ont touché comme organe. Ça c'est quoi ça? Le rein. Voilà, on peut reconstituer la scène. Il était là. Hop, qu'est-ce qu'il a? Il avait une tablette. Donc la tablette, qu'est-ce qu'elle a fait, la tablette? Hop, l'autre il s'est retourné, s'est pris une balle. Une balle. Deux balles. Trois balles. Et la tablette, là-bas. On va aller trouver la tablette. Juste là. Qu'est-ce qu'il y a sur cette tablette? Il est en train de regarder quoi? Votre commande d'android AP700 un nouvel android là. CyberLife vous remercie pour votre. Le déviant allait être remplacé. Ah, voilà.
non, c'est Insane, d'accord. Ces trucs de détective, c'est Insane. Donc t'imagines les androïdes détectives comme ça, gros. Lui il fait tellement ses enquêtes en mode fast, alors ultra vite. J'imagine même pas dans la vraie vie, plus de crimes là. L'otage L'otage a assisté à la fusillade. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le policier a tiré sur le débit. Le policier a tiré. Et après, lui, il a tiré. Oh, regardez la balle qui s'est pris là. Bah, bah oui, forcément, il est tombé sur le coup. Hein. Ah, mais du coup. Attends. Ok. Non mais je suis en train de me dire, il me manque une pièce du possible là. Et c'était l'arme. On va la prendre, hein. On va se mentir. Maintenant je vais faire exactement les mêmes choix que dans la première partie pour vous montrer ce que moi j'aurais fait personnellement. Donc l'arme bien sûr je la reprise. Ah oh, putain la caméra. Oh. Des fois la caméra fait des trucs comme ça. On peut éteindre ça. Éteindre. La famille a laissé mettre à table. C'est pas vraiment un élément ici, mais bon c'est pas bien grave. Hein. Sauf si le cuisine. Sauf si l'android le cuisine avec un pied. Hein. C'est pas ça c'est lui qui cuisine. Après le modèle du déviant, on s'en fout un petit peu. Je sais pas si ça a quelque chose à voir. Par mes chaussures. Ah, ah, elle est blessée, l'otage est blessé. Est-ce que t'es armé?
Oui. J'ai une arme. Lâche-la. Pas un geste brusque, Austin. Voilà. Je n'ai plus d'arme. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais, tu vois. Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! La situation est sous contrôle. Voilà! Comme tu l'as demandé! Tu dois me faire confiance, Daniel! Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Il n'en est pas question. Tu es une machine, tu dois obéir. Maintenant, lâche ton arme et libère l'otage. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Oh non. Non, 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 je ne veux pas. Cette fois, c'est à moi de décider. Non, je ne voulais pas faire ça. Non. Mais ma réputation, wesh. Non, on peut se sacrifier, y a pas de problème. Je suis en Android. Mais voilà. Par contre, c'est pas ce que je voulais faire, quoi. Mission accomplie. Instabilité logicielle. Non mais par contre c'est pas trop ce que je voulais faire quoi. Ça fait quand même plaisir d'avoir un gameplay différent que certaines personnes, ou que moi-même. Non mais ça me fait rire parce que mon propre gameplay est différent avec ma partie précédente. J'ai fait une petite partie, hein. Je suis pas allé bien loin, je suis allé jusqu'à la deuxième enquête de Connor. Et après je me suis arrêté parce que je me suis dit que je suis allé trop loin. Et les enquêtes de Connor, ce sont les meilleures. Connor a plongé, rattrapé, mais ouais, ok. Donc vous voyez, j'ai pas les trucs au-dessus là, les informations des autres joueurs. Celui-là est totalement normal, parce que ça coûte très cher. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, on y va. 200 langues de galettes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Waouh. Mon cœur, regarde. Tout à fait basique. Et c'est combien déjà? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. À 7 999 $. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il comprend une garantie pièce et main d'œuvre de 2 ans. Domestique.
Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services d'urgence en cas d'intrusion ou s'il détecte de la fuite. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP 800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Mais je peux vous le montrer par ici. Sûrement plus cher à prendre une fonction. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Quantique terrible. Oh là là. J'espère que la musique n'est pas copyright. Parce que vraiment, Twitch et les musiques copyright, c'est vraiment de la merde. C'est parce que ça te coupe le son. La monétisation, tout le monde s'en fout, vraiment, dans ce genre de cas. Mais quand on te coupe le son, c'est non. Le coupage de son, c'est non. Désolé, je viens de remarquer vos messages bafoués, les alertes, viens vœux que Discord ait pu viens Gmod, viens Discord, ok. Non, désolé, j'avais pas vu parce qu'en fait j'étais en train de regarder, donc attends, je vais sur Discord, mais je viens pas en Vogue en fait, je suis désolé, je viens pas Vogue. Non, DSL, voilà, je envoie encore un message. Désolé, j'étais trop dans le jeu, vraiment le jeu il m'absorbe. Les alertes, je vais les ajouter maintenant. C'est parce qu'en fait, entre temps, j'ai changé entre Streamlabs et OBS tout court. Parce que vraiment, OBS c'est vraiment très très bien. En fait, il gère mieux la connexion que Streamlabs. Streamlabs est un pompeur de connexion. Alors, je crois que j'ai pas les alertes. Non, je suis désolé, j'ai pas les alertes. Non, je ne les ai pas. C'est dommage, mais j'ai pas les alertes. Ou alors, je ne sais pas les mettre. Non, non, lui, franchement, c'est... Il n'y a que lui, non, il n'y a que lui que je n'aime pas faire. Oui, je vous jure, c'est le seul personnage que j'aime pas. Voilà. Attendez que je vous aide. Cette zone-là me fait un petit peu laguer, vraiment. Je sais pas si on pouvait voir les FPS, mais j'ai l'impression d'en avoir un peu perdu, je sais pas. On va voir. Attends, du coup, c'est quoi la mission? Récupérer la commande à la boutique PR. Ok, c'est pas très loin. On traverse. Là, mais j'ai la peine, hein. C'est juste une distraction, si on peut dire ça comme ça. On s'en fout, on va directement à l'objectif. C'est juste que j'ai pas envie de perdre mon temps avec ce personnage. J'ai juste envie de l'enchaîner. Littéralement, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et non, avec son car là, vous allez voir après. Mais c'est vraiment le truc que j'aime pas. Enfin, le tout début avec ce personnage, j'aime pas du tout. Je galère avec la souris. Hop. En fait, il faut faire un mouvement circulaire avec la souris. Je sais pas si vous voyez, mais moi, avec la souris, je fais ça. Yep, yep. Genre un mouvement circulaire. Je suis le mouvement qui dit cela avec ma souris. Sauf que des fois, quand je clique, ça marche pas. Hop, se connecter. Identification vérifiée.
Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Il se barre entre eux. Je lui dis pour essayer de la tête de Patsy. Éviter la manifestation contre les androïdes là-bas. On l'évite bien comme il faut là. On les évite. On les évite. Regardez ces gros saleux là-bas. Là, vous voyez, je suis là où je vais se rapprocher d'eux. Et je vais se faire enculer. Enfin, dans ma première partie, je les ai esquivés aussi. À volontairement. Maintenant, j'avais déjà vu un autre gameplay où les gens ils allaient vers eux et ils se sont fait. Fait embrouiller avec les anciens droïdes. Bon, là, vous voyez une partie différente. Alors là, ma difficulté, c'est une petite difficulté. Hein. C'est pas la grande. Je risque vraiment de perdre des personnages. Donc peut-être qu'un jour, je referai ce gameplay avec la partie où on perd beaucoup de personnages. Combien on est, le 9 ou le 7? Parce que c'est mon ordinateur, je vois pas bien. On est le 9. On est le 7, c'est de moi. Ok. On peut voir l'arborescence. Donc moi j'ai fait le chemin tout droit. Tout droit, tout droit. Il y a d'autres petits trucs qu'on pouvait faire, mais voilà. Hein? Il y avait un truc. Bon, c'est pas bien grave. Ah, ça c'est avec Kura, Kara, c'est ça. Ouais, c'est Kara. Bah, le sommeil. Et du coup, merci à toi, du foulon, un baffle du coup. Je te l'ai pas dit, mais non, merci à toi. Attends, pendant 2 secondes, je vais juste aller sur Twitch. Je te fais bien fait. Non, démarre pas la vidéo, démarre pas. Alors, tu viens? Ah, mais Drastic, il me. J'arrive où Drastic m'héberge? Attendez, je viens de voir ça. Je viens de voir ça. Alors là, Drastic m'héberge. Alors là, j'avais pas vu ça. Et merci du coup de m'héberger. Voilà. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je vais fermer mon Twitch pour que ça bug pas. Ouais, je vais fermer. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de. Ma porte, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Je
Ouais. Peut-être. Ça dépend de ce que tu veux. Ouais, je peux t'en trouver. Ouais, ouais. Je t'amène ça demain. Ouais, même endroit, tu sais. Tu sais où? Ouais. Allumez télé. Négatif. Mais sans compte, il est dans le négatif en plus. Wesh. Regardez ces documents du futur. C'est des documents écran. Documents du futur. Imaginez, vous recevez votre facture. Genre. Vous avez le montant en direct de votre facture genre, qui augmente. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Pète au casque. On va aller parler. Un jour, le magazine regarde. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle ? Les livres en sont pas du tout. C'est un élément strictement inutile. Moi j'aime pas les livres. Oui, la souris vient de refaire le bug. Vous voyez ce genre de bug. Oh ça, c'est pas un clic. Disons que des fois je regarde un peu plus le chat, mais j'y fais gaffe. À des petits moments, je regarde. C'est juste que vu que j'ai changé entre temps entre Streamlab et OBS, je suis trop habitué. Alors c'est différent. Oh putain, je m'endors. Alors, le gamin est aujourd'hui objectif, au moins, aller jusqu'à la deuxième scène de Connor. Objectif. Alors là-dedans, j'ai pas vu, je crois qu'il y avait une arme, parce que j'ai déjà vu le gameplay. J'étais en train de parler et pas y aller, du coup, j'ai pas vu.
Et normalement, toi, il y a une arme. Je m'en souviens. Celle où t'as le range sans l'arme. Bon, par contre, déplacement des personnages, ça commence à me saouler. Le jeu, des fois, le personnage, quoi, il est compliqué. Pareil pour ma souris. Encore des impôts, oh, putain! Au niveau national, s'élève désormais à 37,3%. Le matin, on skip les... La présidente Warren s'est exprimée aujourd'hui lors de l'inauguration d'une nouvelle usine CyberLife près de Milwaukee. Dans son discours, la chef d'État a salué le rôle de CyberLife dans les performances de l'économie nationale. La présidente a également annoncé l'acquisition par le ministère de la Défense de 200 000 androïdes de combat dans le cadre de son expansion militaire. Je suis bien content qu'on n'entend pas plus de détails. Parce que même elle est sortie. Elle fait une petite grimace à ça. Non mais, vous voyez là par exemple, on est en marche arrière sans raison. Je suis en train de marcher en haut et lui il fait marche arrière. Et un peu con. Cache ménagère, tout ça. Bon, c'est bien beau, mais vous voyez ce genre de truc. Le jeu pour le spam de ma touche. Parce que lui, j'ai un spam, s'il vous plaît. Et quand je clique là, je lève un petit peu. Hop, hop, je lève. Regardez, vous voyez le petit truc là, je lève. Et je tourne. Ah merde, ça fait. Et oui, je tourne. Sa chambre de... Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Alice. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice? Alice au pays des merveilles. Forcément. Jamais quelque chose c'est mage. Là c'est pas mage la majuscule, c'est celle qui est en dessous. Là un petit balcon là. Il va débloquer un dialogue ou une action souvent bénéfique. Voilà. Pour ceux qui ont déjà vu le jeu, on sait tout ce qui va se passer. Hein. Merci. On a mis un message sur Discord. Donc je regarde vite fait un message. Autre petit truc. Bon, ça c'est les live tests. Okay. Ok. J'aime bien le petit son quand tu fais ça.
va parler. Je sais que je vivais ici avant, mais ils ont effacé ma mémoire. Je me disais que tu pourrais m'aider à reprendre mes marques, me donner des conseils, ce genre de choses. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Ta maman, par exemple. Elle rentre bientôt? Merde. Ça nous a donné quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une clé. Comment on va mettre? Une clé qui va dans son coffre. Il y en a. On va essayer de trouver une clé là-dedans. Moi je l'ai saisi, ça. Voilà. Simulant de tête, genre. Peut-être qu'il se fait frapper. Donc le con, ça va être son père. Là, donc là, un côté sinon, on va voir moi qui va faire chez moi. On peut pas trop savoir la seule table, on peut pas trop savoir. Mais la fille, elle est à fond. Ah. Donc là, on peut voir par exemple que là, clairement, elle nous montre que c'est le père qui nous a. Mouchés. Par rapport à ce qu'il nous a dit, le père, qu'on a été amouché dans un accident de voiture, truc tout con. Bon, là on voit que c'est lui qui. C'est lui qui nous a amouchés, c'est lui qui nous a. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Demandez de nouvelles instructions à toi. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que ah, je t'aime. Non, mais il faut pas m'appeler. Je sais pas qui m'appelle. Attends, je reviens. Désolé, Laurent, mais il faut pas m'appeler. Si tu veux m'appeler, c'est sur Discord. Parce que si je suis en live, ça va pas être possible de répondre à l'appel. Vraiment pas. Donc, si tu veux m'appeler, c'est Discord. J'appelle Laurent sur Discord pour voir s'il répond. Parce que là, actuellement, je peux pas répondre en appel, en fait. Je peux pas. Je suis en 4G. Ouais, Laurent. Ouais. Ouais, ouais, je suis toujours en live. Ben, m'appelle pas sur téléphone, Michel, hein, parce que, tonnerre, je suis en live, je peux pas répondre sur téléphone.
Ok. Non, j'étais en train d'écouter ta fabuleuse messagerie. Quel enculé. J'étais vraiment en train de l'écouter en mode. Mais il est pas drogué, ce mec. Ah, mais vraiment, je me suis posé la question, gros. J'ai écouté ta messagerie, j'étais en mode. Mais le joint, c'est pas bien. Il faut arrêter. Ah, mais vraiment, j'ai écouté ta messagerie, j'étais en mode. Mais vraiment, j'étais en train de me dire, il est drogué ou quoi, ce mec? Pas possible. Il a bon. Après, on en parle de ta messagerie aussi. Non, ah, non, ta messagerie, elle est quand même pareille, on va pas se mentir. Non, elle est bien. Non, elle est pareille, exactement pareille. C'est le mec défaitiste. Non, elle est juste faite en mode playmart, la mienne. Ouais, il n'y a pas que ça. J'avais juste envie de changer ma messagerie. Et ne me dis pas que ce chien il va tourner autour de l'arbre, ça me tente quand même. Oui, je fais le tour de l'arbre, gros, le chien me suit. Il fait le tour. Bon, du coup, moi, je suis toujours en train de continuer un petit gameplay hein, que je voulais faire. Ouais. Moi, je vais arriver là, si tu veux, on jouera à Fortnite. Ok, Michel. Enfin, là, je vais voir. J'ai un petit objectif là dans ce gameplay, mais après, j'arrive. Oui, mais je sais pas combien de temps, ça fait combien de temps que je suis en stream. Au pire, je m'arrêterai avant, comme ça, je recommencerai le prochain stream au meilleur moment, c'est-à-dire au gameplay de Connor. Tu sais que t'es en cours d'hébergement là. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Merci, gros Pacha là. Je suis gentil, t'as vu. Salaud. Je suis gentil, hein. Oulala. Oui, oui, Michel. Oulala. Dès que t'as commencé ton live, j'ai dit, allez, on va pas faire les bâtards. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché un petit événement. Toi qui répondais. En fait, tu sais pourquoi j'ai voulu faire le live à tout prix aujourd'hui? Ouais, attends deux secondes. Tu voulais tester si ça marchait bien, c'est ça? Non, pas tester si ça marchait bien. En fait, hier, j'avais fait un micro-live sur ma chaîne de test, là. Et juste sur Detroit Beacon, non, en fait, c'était pas vraiment un live de test, c'était juste pour montrer le jeu à quelqu'un. Et en fait, je suis tombé sur le gameplay de Connor, genre le prochain gameplay de Connor. Et vu que je kiffe vraiment ce gameplay-là avec Connor, mais j'ai eu envie de le refaire, gros. Le gameplay avec Connor? Connor, l'Android détective. Gros. Franchement, gros, si je peux avoir un gameplay 100% que avec lui, par contre, je vais aller faire quoi là. Oui, le RP, le truc là, Connor. Ok. Ouais. Oui, oui, espèce de connard. C'est vraiment un connard, ton inspecteur. C'est toi le connard. Oh là là. Bon, allez, on va pas perdre notre temps. Alors, mais je sais ce qu'il faut faire. Je le sais. Ils sont où les escaliers? On peut pas monter aux escaliers là-bas? Je vois, toi, je vois. Live avec Laurent, machin, j'ai dit. Mais je suis pas là, moi. Non, mais oui, mais le premier live que j'ai fait, j'ai fait un truc Fortnite et c'était pas du tout ça. Genre, en fait, si tu préfères, genre. J'avais oublié de changer le titre. Ouais. Et c'est qu'après, je m'en suis rendu compte. Mais d'ailleurs, c'était un live de test. Ouais, j'ai vu ça. Oh putain, j'étais en écho, wesh. Du coup, après, je me suis dit, mais là, du coup, j'ai reçu une deuxième notification en me disant que le titre du live avait changé sur son Discord et tout, là. Et du coup, j'ai dit, mais il a recommencé son live, du coup, je vais aller l'héberger. Mais en fait, c'était le même live, du coup, ça va. Ah, mais j'avais pas vu pour le premier hébergement, c'était juste un petit test, en fait. Enfin, c'était un test de base, c'était censé être le vrai, tu vois. Mais je me suis chié, quoi. Tu t'es chié, putain. C'est parce que j'ai changé entre OBS et Streamlabs. Mais là, Streamlabs, non, mais là, je me suis mis sur OBS parce que Streamlabs, il pompe trop de connexions. Bonjour, Carl. Bonjour. C'est ça, la connexion, il faudra de la cour. Le temps est couvert, il fait 12 degrés, avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. Ouais, il te fait la météo. Une bonne journée pour rester sous la couette. De quoi il te fait la météo? Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la moi, je suis en train de me poser des questions, elle s'est amenée à devenir fou, quoi. Michel. Toi, tu n'oublies jamais rien. Je suis coréen, j'allais manger au resto, là. Au jus. Par contre, pas. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Carl. C'est ça.
Merci. Faut que j'arrête de manger au restaurant. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Ils tombent en bas si facilement. Tu vas bien ? Tous ces efforts pour les entretenir. C'est bon alors. J'espère que tu regarderas la rediff, Lena. Parce que le jeu, il est bien. Je vais vous conduire à la salle de bain. Oulala ! Moi, je dis oulala. En plus, j'ai pas trop besoin de parler. Le jeu, il a des dialogues tout seul. C'est comme un petit film, un beau petit film. Ouais, j'avoue, j'ai vu ton jeu, il est bien. Mais moi, je voulais y aller avec toi, mais c'est pas en multijoueur, ça. Non, c'est pas multijoueur, c'est un jeu solo. C'est une histoire, ouais. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a plein de jeux solo qui sont vraiment bien, tu vois. Ah, mais c'est dommage, tu vois, que ce soit que des jeux solo. Mon agenda aujourd'hui. Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Mais il a chassé un renard. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. Des fois, il fait n'importe quoi. On en parlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre ? En ce moment, mon chien aime bien chasser tout ce qui est renard, lapin, tout ça. Il aime bien. Le salopard. Tu as des nouvelles de Léo ? Non, il y a aussi les lézards qui chassent. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Je peux pas descendre. En fait, tout ce qui a des pattes et qui bouge, c'est qu'ils chassent. En fait. Mais laisse-moi descendre, un truc. C'est ouf. Allez, avance. Oh, j'ai vu que tu la game. De quoi ? J'ai vu que tu la game un peu sur le jeu. Mais vite fait. Non, ça va, ça lag pas si. C'est juste que c'est un peu comme ça, tu vois. Ah, mais putain, mais gros, ce fils de pute. Marcus. Mais avant, putain, gros, ça me pète les couilles. Regarde comment ils tournent rond, ce bâtard. Oui, il faut que sur ton live, dans les mouvements de ton personnage, on dirait qu'il bug un peu. Vite fait. Non, mais je te jure, c'est un attardé, fils de pute. Oh, mais non, mais ta mère. Oh, tu avances. Avance. Putain, je te jure que des fois, t'as des merdes comme ça. Allez, non, mais ta mère. Mais tu fous quoi ? Bon, on y va ? Oui, mais j'aimerais bien, sale bâtard, j'aimerais bien y aller. Bon, tu vois pas que je galère ? Voilà. Oh, non, mais je te jure. Oh, mais ce jeu, il est vraiment bien, mais des fois, gros, le personnage, tu galères ! Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Qu'on le sait. C'est où qu'on le sait ? C'est pas là. À la vie de ma mère, il y a devant chez moi, gros, il y a comment il s'appelle ? Il y a Hamid, il y a comment il s'appelle ? Il y a un mec là, il est devant chez moi, gros, il a amené tous ses potes, gros, il fait des roues avant, gros, un truc de malade. Dunder. Oh, ils se font plaisir, gros, à la vie de ma mère. Oh, ils sont 10, gros. Et c'est là, le vieux papy Laurent, il va sortir avec son fusil, il va dire « Qu'est-ce que c'est que ce bruitage-là ? Non mais oh, on est où ici ?» J'imagine bien papy Richou. Et d'ici, bande de pute, vous me cassez les couilles maintenant. Vous faites trop de bruit. C'est le El Papé Richou. Et là, t'as les 10 qui arrivent. Tu vas faire quoi, vieux papy, là ? Alors là, fallait non, pas dire ça à papy. C'est pas ça, c'est le malfia albanaise qui arrive. Chou, il a amené du renfort. Et là, j'adore. Là, tu le vois, il va à son épaule, il prend sa radio, il dit « Allez, venez les gars, venez, ils sont là. »
Et là, t'as tout le monde qui se barre en courant. Les cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents. Notre cerveau est mort, je crois, Dorian. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner. Ouais. D'accord, Karl. Parallèlement, la nuit dernière, l'ambassade américaine a invité bientôt arrêter le live. L'ONU lors d'une réunion d'urgence. Ouais. S'était opposé fermement à cette action, alors qu'elle a déclaré injustifiable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Mais dire quoi? La France a annoncé lors d'une conférence de presse que nous n'avions jamais été aussi proches d'une première guerre mondiale. Je développe les possibilités. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est le piano. C'est un peu là, vraiment la seule chose intéressante. Je vais. Il est 15h. Ça se voit. Dans une heure, je vais m'acheter mon truc. C'est moi qui appuie sur espace à chaque fois. J'aime bien cette musique. Ce n'est pas copyright, vous en direz quoi de la mettre en fin de stream. Allez, je vais arrêter ce gâchis quand même. Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Ah, faut que je l'amène. J'allais partir tout seul. J'ai oublié comme quoi il est un fauteuil. Il veut qu'on s'occupe de lui. Ah, par contre, la connexion en stream qui redécède. Là là. Ce n'est pas grave. Donc c'est bientôt la fin. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. C'est marqué en direct. In the direct. Motherfucker. On est là, en direct. Ah, désolé, j'avais pas vu pour. PGM. Merci à toi pour le follow. Désolé, j'avais pas vu. Yadoro, il m'a diverti. Du coup, je me suis mis à arrêter de regarder le chat. Vous savez, il en faut peu pour me faire oublier. Regarde, c'est quelqu'un, il est venu te troll. Oui, j'ai vu. Je viens de m'en apercevoir.
sait pas précisément quand il a envoyé le message. Attends, on va laisser défiler l'animation. Ouais. Bah il y a quelques minutes. Ah, alors, attends, je vais faire quelque chose derrière. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oh non, non, you is a chat, motherfucker. Oui, je sens quelque chose en moi. Oh non, you is banned. À le décrire. T'es un bâtard, voilà. Je vais aller lui dire ça. Je crois que j'aime bien. Mais c'est normal, il a mis Viam BD. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Baflou, il est fait partie du camp. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de Mais la oui, mais on s'en bat les couilles. Il a mis un sujet dans le chat. Car... Mais il le sait que c'est moi, alors. Drastis Game a banni 06 Baflou. Tonnerre, il est pas là, c'est pas grave. Du talent. M'en fous, de toute façon, c'est moi le chef ici, tu le sais très bien. Attention, je risque de perdre un modérateur. De quoi ? Ce qui te passe par la tête. Pourquoi ça ? Attention, le badge modérateur. Ah oh, putain, j'ai encore fait une truc que je voulais pas. Oh. Le chat, il s'affiche pas suffisamment, c'est en grand. Attends, faut que je l'agrandisse. Parce que des fois, j'ai des problèmes quand je fais un truc. Toujours passé. Voilà, comme ça. Hop. Du coup, voilà, ça, ah, on est. Voilà, comme ça, j'ai le chat en grand maintenant. Allez, ouais. Du coup, Seigneur, mon Joseph. T'as vu que je suis un modérateur efficace ? T'as vu que je suis un modérateur efficace derrière ? Oui, oui. T'as réagi trop tard après quand même. Bah non, c'est juste que je viens d'arriver, gros, j'ai pris mon service direct. Ah, bah. Oui, mais à ce moment-là, ça sert plus à rien. Et j'ai pris mon service, bon, ce merde, tu me laisses prendre mon service, hein? C'est qui le patron ici? C'est moi, ok? C'est pas toi, il a la retourne chez toi. Moi, je déconne. Banni pour 600 secondes. La peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde, elle consiste à... Alors, viens Gmod, viens Discord, viens PD, viens Vogue Discord. Il manque les alertes. Je ne pense pas en être capable, ce n'est pas dans mon programme. Okay. Ouais, les alertes folle, je les ai pas sur OBS. Prends cette toile. Et le truc, la Twitch pique. Les trucs, les bruitages, là. Non, mais ça, je l'ai pas aussi. C'est un gameplay, dans ce gameplay-là, je le vois pas. Plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Encore dans un gameplay jeu vidéo, tout ça avec toi, c'est bien. Mais là, je préfère pas l'activer. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe Bonjour, pas. Bonjour, hello, motherfucker. Concentre-toi sur ce que Oh, le salaud, il y a une pub sur son stream. Oh, le salaud. Oh, le salopard, il va gagner de l'argent. De quoi? Il y a une pub sur mon stream? Ah oui, il a gagné de l'argent, le salopard. Alors là, lui. Ça m'étonnerait. Non, je rigole, c'est pas vrai. J'ai cru qu'en fait, ton gameplay, c'était une pub pour un rasage. J'ai vu le mec en train de se raser. Comment ça, le mec en train de se raser? Je sais pas, j'ai vu un truc en train de se raser. À peu près, tu sais, je suis aveugle, donc faut pas se fier à ma vision. Non, absolument pas. C'est juste un mec qui se concentrait là. Putain, j'ai failli lire mes messages privés, gros. T'as vu ma mère? Je suis un salaud, moi. On en parle qu'il a un bouton on-off sur le visage qui clignote. T'es au courant que c'est un Android? Mais putain, mais je vais installer des jeux comme Call of Duty Mobile là-dessus. Ça, c'est un Android, gros. Un Android? Oui, c'est un Android, celui qui peint là. Salut papa! Mais la vie de ma mère, c'est trop bien, gros. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Un Android. Un Android de l'Android. Moi, je t'en dis. Oh, en temps sur ton stream, j'ai pas regardé, de toute façon. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Ah oui, on l'entend. Oh, mais ton stream, il a pas de décalage, ça c'est bon. Eh oui. Et bah, c'est pour ça que j'ai préféré OBS. Il y a possibilité en moins, mais je peux pas ça. Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout.
Je suis bon, désolé. Sinon, est-ce que vous allez bien, les gars, sur le chat? Hein? Pourquoi? Parce qu'on ne entend pas beaucoup parler, à part des fakes qui disent qu'ils ont donné ça à Ouais, je crois que je sais on pourquoi. On n'entend pas grand-chose. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Ça nous fait très plaisir. Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. À 16h01, je cours au tabac. Je cours. Tu m'as jamais aimé, papa. De toutes mes jambes, tu comprends ça? Tu m'as jamais aimé. Parce que j'ai plus de cigarettes à la vanille. Tu m'entends, Maria? Je sais. Et tu devrais arrêter de fumer, même si c'est des cigarios. Parce que fumer reste fumer. Hop, donc normalement la suite c'est l'enquête avec Connor. Ah voilà, on va s'arrêter là, les gens. Je vais m'en arrêter là. Pourquoi? Parce que les enquêtes avec Connor, c'est les meilleures. Et on va se les garder pour la prochaine fois. Et oui, je suis un salaud. Hop. On va se terminer là-dessus. Hop, menu principal. Hop, confirmé. À 16h, je te disais, je vais au tabac là parce que j'ai plus de cigarettes à la vanille et je vais crever. T'es pas obligé de répéter. C'est quand tu mets le on est au courant et arrête de fumer. Je prends un carré de chocolat, ça sera pareil. Allez. Ouais, je ça sera au revoir tout le monde parce que moi je vais arrêter le stream là maintenant et on se retrouvera pour la prochaine fois. Voilà. Bisous.